Je connais YES depuis plus de 15 ans, car avec mon expérience et chez le grossiste et après chez un installateur, j'ai pu faire travailler YES Electric. Et Stéphane Boris m'appelle pour me proposer un poste de chef mag chez YES. Connaissant bien la société pour l'avoir vue de l'autre côté de la barrière, je me suis dit que c'était une société qui me correspondait. Et je pense que le bâtiment me manquait, mes clients me manquaient. Donc je suis venue spontanément et très rapidement chez YES. Les premiers jours, ce n'est pas les plus faciles parce qu'on ne connaît pas le logiciel, on ne connaît pas les collègues, on ne connaît pas l'ambiance de travail et tout plein de choses. Quand j'avais un souci, j'appelais n'importe lequel de mes collègues de ma DR et dans les minutes qui suivaient, j'avais ma réponse. C'est vrai que mes collègues ont été très accueillants, donc j'ai pu me faire une place assez rapidement. Il faut trouver son équilibre, sa force et en même temps, il faut que ça passe en douceur. Au poste de chef mag, j'ai pas eu ce ressenti homme-femme, voilà, parce que c'était plutôt un travail sédentaire. Par contre, sur la route, on sent qu'il faut être présente, avoir ce petit côté un peu masculin, si je puis dire. Donc, il a fallu montrer que je savais aussi bien faire que les hommes. Donc, c'est à nous de faire voir qu'on connaît le matériel. Il faut être réactif dans les devis. Et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien, les servir au mieux, d'être toujours présente pour eux. Et je pense que la femme est très appréciée dans le milieu du bâtiment aussi, grâce à tout ça. Et je pense qu'on est aussi compétent qu'un homme. Si elle est dynamique, qu'elle a envie, qu'elle est motivée, je pense qu'il faut qu'elle franchisse les portes de chez YES. Moi, j'ai commencé chef mag, après commercial. Maintenant, je suis responsable de l'agence. Toute mon équipe est très contente d'avoir une femme chef d'orchestre. Donc, je vous conseille de franchir les portes et de ne pas hésiter. L'ADN de YES, tout simplement, c'est la famille, l'équipe.